estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo en un beso alado, sediento y profundo. Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Je peux savoir où tu comptes aller? N'importe où. Ils ont retrouvé Carolina. Il faut que tu te calmes, Hannibal. Est-ce que tu te rends compte que, si tu disparais sans donner d'explication, tu vas te désigner comme coupable? Je veux seulement m'en aller le plus loin possible de cet endroit. J'en peux plus, maman. Les histoires d'Isabelle, Olga, l'argent de mon père, et maintenant ça... Si tu perds la raison, je vais devoir réfléchir pour nous deux. Pour commencer, tu vas défaire cette valise et remets tes vêtements à leur place. Ils ont le corps, maman. S'ils découvrent que je... Arrête! Arrête! Pourquoi établirait-il un lien avec toi? Tu n'avais aucune sorte de relation avec cette femme. Ça ne t'affecte ni en bien ni en mal. Comment est-ce qu'il pourrait te soupçonner? À moins que tu continues à te discréditer avec des coups de folie comme celui-ci. Il faut que tu maîtrises tes sentiments. C'est elle? Non. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Il faut qu'on la retrouve. Oui, mon frère, courage. Tu devrais être soulagé que ce ne soit pas elle. Je le serai seulement quand on l'aura trouvée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai tapé des enfants parce qu'ils disaient des mensonges. Ils ont dit qu'il était arrivé quelque chose de mal à maman. Non, ta maman va bien. Elle a dû partir en voyage. C'est pas vrai. Maman, elle partira nulle part sans moi. Écoute-moi, Adriane. Elle n'appelle pas parce qu'elle est occupée, c'est tout. Voilà. Allez, ne t'inquiète pas. Je veux voir ma maman. Emmenez-moi voir ma maman. Je veux ma maman. Adriane. Je veux voir ma maman. Je veux voir ma maman. Viens par là. Je veux maman. J'ai du mal à croire qu'on va enfin se marier, princesse. Tout est prêt pour demain. Alors dis-moi, que veux-tu donc, ma princesse? Parce que je lui donnerai tout. Une maison, un voyage, une voiture. Je t'écoute. La fidélité.
et le respect. Ah, ma chérie, tu les as depuis le jour où je t'ai rencontrée. Mais à part ça, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je ne veux rien de plus, Iker. Alors n'en parlons plus. Demain, je viendrai te chercher. Ça va être le plus beau jour de notre vie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici, Rodolfo? Je t'attendais. Que se passe-t-il? Tout va bien? Non, je ne vais pas bien. L'enfant qu'Alba attend n'est pas de moi. J'ignore depuis combien de temps il se moque de moi. Et moi, comme un idiot, je la soutenais dans toutes ses décisions, alors qu'elle se fichait de moi avec un autre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Cet enfant pourrait être de moi, tu le sais. Eh bien non, tu n'es pas le père. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que... Allez, va-t'en, et oublie ce qui s'est passé entre nous. Ça n'a aucun sens de se souvenir de ça. Eh bien, pour moi, ça en a. Et même si tu le nies, je sais que pour toi aussi. Alba, à chaque problème, sa solution. Oui, et la solution, c'est que tu t'en ailles. Je ne veux pas être avec toi, tu comprends? À partir de maintenant, on se verra quand ce sera inévitable, pour des raisons professionnelles. Rien de plus. Alba, je t'en prie, ne t'éloigne pas de moi juste parce que tu ignores si cet enfant est de moi. Ça suffit, Blas. N'insiste pas. Cet enfant n'est pas le tien, mets-toi ça dans la tête. Je t'en prie, Alba. Sergio, je ne lui pardonnerai jamais. Je comprends. Que penses-tu faire? Je vais vendre mes parts à ton père. Je veux que vous redeveniez les actionnaires majoritaires. Et ça, ça sera ma meilleure vengeance contre Alba. Et toi? Je ne sais pas, je ne peux pas rester ici. Je ne veux plus la voir. Désolé, Sergio. S'il te plaît, dis à ton père que demain, je vais prendre mes dispositions pour la transaction et que toutes mes actions lui reviendront. Chérie, te voilà, grâce au ciel, tu rentres enfin à la maison. Tu as besoin de te reposer. Non, maman, ne serait-ce que quelques heures, maman, écoute, je ne peux pas me reposer jusqu'à ce que j'ai retrouvé Carolina. Non, je ne peux pas. Je vais la chercher jusqu'à ce que je la trouve. Ta mère a raison, Daniel. Il faut que tu manges quelque chose. En plus, il fait nuit. Mais enfin, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas aller me reposer, m'asseoir pour manger, si je ne sais pas si Carolina a peur, si elle a froid ou autre chose. Mais pourquoi? Pourquoi personne ne peut comprendre? Daniel, Daniel! Qui nous a fait ça? Je t'en prie, je t'en prie. Daniel... Je suis vraiment désolé. On est désolé. Je t'en prie. Tout le monde fait son possible pour la retrouver. Nous voulons tous que Carolina revienne. Qu'elle et mon petit-fils aillent bien. Calme-toi. Calme-toi, mon fils. Je t'en prie. Allez, allez, Daniel. On va la trouver. Les ouvriers ont vu cette tache, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever. Ça doit être de la graisse, Daniel. La graisse est très difficile à nettoyer, tu le sais. Et si c'était du sang? Le sang de qui? Le sang de Carolina. Oui, peut-être qu'elle est venue. Elle serait tombée sur Carlos, ils se sont disputés. Et il l'a tué. Mais non, ne t'inquiète pas. Quelqu'un l'aurait vu. Non, les Molina ne rentrent jamais seuls ici, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu ne dis pas la vérité, Hannibal ?
Pourquoi tu ne racontes pas à Daniel ce que tu as fait à ton père? Tout est mensonge. Tu ne peux pas être ici. Tu es... Quoi, Hannibal? Je suis quoi? Morte, c'est ça? Raconte-lui ça toi, aussi. Hein, c'était toi, malheureux. C'était toi. C'était toi, misérable. C'était toi. Pourquoi tu ne dis pas la vérité une bonne fois pour toutes? Bonjour. Pourrions-nous discuter un instant? Non, mon père, ce n'est pas le bon moment. J'aurais mieux fait de me pendre. Asseyez-vous, mon père. Excusez mes manières. Je n'arrive pas à faire autrement parce que mon mariage est terminé. Maintenant que je sais qu'Alba porte un enfant qui n'est pas de moi. Je comprends très bien votre réaction. Pour moi aussi, c'est impensable. Mon père, je ne sais pas quoi faire. Alba me demande que je la pardonne. Et elle dit que ce n'était qu'un écart sans importance. Elle a dit ça? Elle veut que nous restions mariés. Qu'on fasse comme s'il ne s'était rien passé. Et qu'on élève cet enfant comme s'il était de nous deux. Mais, vous savez, je ne me sens pas capable de le faire. À chaque fois que je le regarderai, il me rappellera l'infidélité d'Alba. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais lui pardonner. Que puis-je faire? Écoutez, je crois que ce que vous devriez d'abord faire, c'est vous calmer. Oh, oui. Parce que ce n'est pas prudent de prendre une décision dans ces conditions. Qu'est-ce que tu dis? Tu es enceinte du père Blas? Comment? Mais comment as-tu osé? Quel scandale! Et Rodolfo est au courant? Tais-toi! Les gens vont t'entendre. Je ne lui dirai pas qu'il est de Blas. S'il l'apprenait, ça n'arrangerait rien, au contraire. Ça n'a aucun sens, mon histoire avec Blas est terminée. Ne me dis pas que tu es amoureuse de lui! C'était une erreur. Un faux pas dans un moment difficile. Je me sentais tellement seule et... Et il était là, présent pour moi. Je me suis laissée aller, c'était juste ça, un moment de faiblesse. Pauvre Rodolfo, j'imagine ce qu'il doit ressentir. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'aimerais effacer ce qui s'est passé et sauver mon mariage avec Rodolfo. Mais ça ne dépend pas que de moi. C'est pour toi, ma jolie. Et ce n'est rien comparé au grand bonheur qui nous attend. Merci. C'est une belle attention. Écoute, dis-moi une chose. Tu es sûre que tu veux te marier? Allons-y, ma chérie. Il se fait tard. Elle va rentrer se reposer. Prends ton temps. Je m'en occupe. D'accord. Merci, chérie. Allons-y. Prends soin d'elle. Bien évidemment. On se voit plus tard. Je dois y aller. Sergio, Sergio, un petit instant. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais nous allons devenir cousins. Qu'en penses-tu si nous faisions un petit effort? Écoute, Iker, Alejandra est... quasiment ma sœur. Non, en fait, c'est ma sœur. Si tu es correct avec elle, tout ira bien. Parce qu'elle n'est pas seule. Alors, prends soin d'elle. Je te laisse. M'emmener voir ma maman, je veux la voir. Écoute, gamin, viens ici, Carolina est partie. Elle t'a abandonné. Ne pleure pas pour elle, elle ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Carlos? Adrian sait que sa maman est en voyage et qu'elle va bientôt rentrer.
Ne l'écoute pas, Adrian. Tu vas la revoir bientôt, hein? Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Pourquoi t'es comme ça avec lui? Et qu'est-ce que tu sais sur Carolina? Je sais rien et je m'en fiche. J'ai l'impression que tu en sais plus que ce que tu dis. Je n'ai pas oublié que tu l'as menacée pour qu'elle continue de chanter dans ta boîte, hein? Arrête, Elisa. Crois-le. Ouais, crois-moi. Laisse-moi au moins t'accompagner pour la chercher. On ne peut pas arrêter complètement de travailler, mais je crois que... Non, non, merci. Seuls les maîtres chiens peuvent ratisser la zone. Ils disent que personne ne peut les accompagner, mais merci quoi qu'il en soit. D'accord. Ça va? Il se passe quelque chose? Non, non, non. Non. Tu as eu des nouvelles de Carolina? Non, non, aucune. Je n'ai jamais souhaité qu'il se passe ça. Je sais. Malgré tous nos problèmes et les différends que nous pouvons avoir, on est toujours des frères. Hier soir, tu n'étais pas de garde, Rodolfo. Je t'ai attendu très tard à la maison. Il faut qu'on parle. Je ne vois pas de quoi. Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? Je veux savoir de qui il s'agit. Je t'ai déjà dit que ça n'avait pas d'importance. Pour moi, oui. Il est peut-être même ici, à la clinique, et il rigole à chaque fois qu'il passe dans les couloirs, quand je lui dis bonjour. C'est un autre médecin, quelqu'un de l'administration, qui sait? Ce qui compte, c'est qu'il ne fait plus partie de ma vie. Oublie-le comme moi je l'ai oublié. C'est trop facile pour toi. Trop facile? Tu vas avoir l'enfant d'un autre et tu voudrais que je l'accepte? Qu'on dise que c'est le mien? C'est ce que tu essaies de faire? C'est ça que tu veux? Tu me fais du mal. Tiens-moi. Lâche-moi. On était dans une mauvaise passe. J'avais besoin de ton soutien et tu me le refusais. Je me sentais tellement seule. Je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi une autre chance. Cet enfant pourrait nous rapprocher. Il pourrait nous rendre très heureux. Je ferai tout mon possible, je te le jure. Non. Cette fois, tu ne me manipuleras pas, comme tu l'as toujours fait. Ça n'arrivera plus, Alba. C'est terminé. Ça va nous permettre de commencer les recherches, mais vous devez rester en retrait. Les chiens doivent avoir le moins d'interférences possible. Très bien. Écoutez, rentrez chez vous. S'il y a du nouveau, je vous appellerai. Non, non, je préfère attendre dans la voiture. Oui. Merci. Je dois te parler de toute urgence, Alba. Je sais que je suis le père de l'enfant que tu attends. Ne commence pas avec ça, c'est pathétique. C'est Rodolfo qui me l'a dit. Il n'est pas de lui. J'espère au moins que tu ne lui as rien raconté. C'est tout ce qu'il sait, non, rien de plus. Non, bien sûr que non. Mais je me suis vraiment senti mal de le consoler. Combien de temps pensais-tu faire croire que je n'étais pas le père de cet enfant, hein? Que voulais-tu que je fasse? Je suis une femme mariée et tu es un religieux. Ça serait un scandale! Il vaut mieux que personne ne sache. Tu ne peux pas me demander une telle chose. Je suis le père de cet enfant et je ne veux renoncer ni à lui, ni à toi non plus. Tu es fou, c'est ça? Sache que je t'aime, Alba. Et je veux fonder une famille avec toi. Ce n'est pas mon habit qui m'en empêchera. C'est hors de question. Je ne compte pas renoncer à mon mari pour toi. En plus, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Accepte-le. Ce n'était qu'une folie. Ça n'aurait jamais dû se produire. Alors laisse-moi tranquille. Alba, je t'en prie. Arrête, je t'en prie, arrête. Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Je suis sûr que tu ressens la même chose que moi. Tu ne veux pas l'avouer, c'est tout. Lâche-moi. Tu veux qu'on nous voie ensemble? Tu sais que ce n'était pas une folie. Même si tu refuses de te l'avouer, tu sais que c'est réel. Et c'est toi qui dois affronter la réalité, pas moi.
peux pas le croire. Fou. Je t'en prie, Rodolfo, calme-toi. Calme-toi. En plus, vous me donnez des conseils. Comment osez-vous? Rodolfo, je vous en prie, je vais tout vous expliquer. Calmez-vous, hein. S'il vous plaît. Ah, Rodolfo, arrête. Ne fais pas de folie. Arrête ça, ça suffit. Oh, de ma clinique. Je t'en supplie. Fichez le camp. On pourrait parler de tout ça en privé. Calme-toi, s'il te plaît. Hors de question. Toi aussi, fiche le camp. Je veux plus te voir. Tu me dégoûtes. Les Molina ont découvert qu'il n'y aurait pas d'autoroute et que les terres ne valaient rien. Ils sont venus me le dire et ton père a tout entendu, tout. Je pense qu'il va vouloir te parler et je devais te prévenir. Écoute, maman, attends. En parler avec mon père, ce n'est pas le pire de mes problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ils ont retrouvé Carolina. Vivante. Carolina. Carolina, regarde, je suis là. Allez, sois forte, s'il te plaît. Fais-le pour toi. Et pour notre enfant. Elisa. Oh. Andrés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si Carlos te voit ici, il va te tuer. Mais, enfin, je ne t'ai pas dit oui. Et tu ne veux pas d'histoire avec Carlos. Allez, va-t'en. Elisa, tu sais que tu comptes pour moi depuis longtemps. Andrés. Je suis seulement venu te dire qu'on cherche Carolina. Daniel fait ratisser les bois avec des chiens. J'espère qu'ils vont la trouver. Tiens-moi au courant. Mais, par téléphone, je ne veux pas que tu viennes. Je te croyais plus courageuse. Non. Elisa, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me rendre fou. C'était un baiser d'adieu. Non, non. C'est, eh bien, c'était un baiser qui te donne raison. Carlos a toujours dirigé toute ma vie et je ne veux plus que ce soit comme ça.